salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Dead Rising. On a un petit peu de temps, pour une fois on a une petite liberté, je peux vous dire qu'on va aller se faire plaisir et récupérer des petits usés. À savoir que le soleil se lève et ça, ça fait extrêmement plaisir, on adore le soleil évidemment, comme d'habitude. On va se faire aggro par la terre entière là-dedans. Hop, c'est bon, c'est esquivé, je commence à avoir l'habitude. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas le gemme. Oh ah, qu'est-ce qu'il y a, ma gâtée? N'oubliez pas le gemme et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Ok, il y a des psychopathes à arracher. Bah ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, c'est beaucoup trop violent pour moi. Les psychopathes, j'aimerais faire une petite pause, ne serait-ce qu'un épisode. Vous avez vu à quel point les épisodes sont mouvementés. Et vous avez vu surtout la difficulté du jeu en vrai. Hein. Les amis, excusez-moi du peu. Mais franchement, déjà, un, on fait du très bon boulot. Et niveau difficulté, on arrive à plutôt bien gérer la chose. Parce que je peux vous dire que vraiment, pour le coup, c'est pas du tout évident. Tiens, et on est bon. Allez, ça dégage. Hop, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ok, regardez ce qui va se passer. À partir de maintenant, on va... non, j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. J'ai pas envie de perdre plus de temps que ça, mais... Non. On perdra notre temps. Ah, je sais pas. C'est quoi ce livre? C'est les arts martiaux. En vrai, ça, on s'en bat les couilles un peu, je pense qu'on peut jeter. Mais comment on jette déjà? Comment on drop quelque chose? Je sais plus. Je crois qu'on peut pas dropper en vrai. Hein. Je crois que ça prend juste la place de l'autre. Hein. Quel bonheur! Depuis avoir cette pression de cette voiture-là qui nous suivait, nous tabassait la gueule. Bah, vous savez quoi? Bon, allez, on a déjà fait trois quarts. Le temps de réfléchir, on a déjà fait trois quarts du boulot. Donc là, ça sert plus à rien. On va aller essayer de checker les psychopathes, mais on va les prendre de Z. Et je sais que vous m'avez engueulé, vous allez dire, mais B-Boy était passé à côté de 150 Uzi. Parce que bon, vous êtes aussi un petit peu américain comme moi. Oh, voilà, qu'est-ce qu'il y a, ma gâté? Je sais que vous êtes un petit peu américain comme moi. Oh non, attends. Oh, ils sont là. Ils sont là. Oh. Ok, merde, je me trompe toujours de stand. C'est ici! Et interageur. Donc, yaourt et lait, honnêtement, baisse boisson, je trouve. Hein. Vraiment, c'est de la frappe. C'est quoi ça déjà là? Ah, c'était le menu. Ok, on est bon. Bah, attends, je peux te voir? Faisons-nous plaisir, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Même si de temps en temps... Excusez-moi, c'est un petit peu un peu chanson. Allez, ça dégage. Bébé, bébé, excusez-moi. Ah, Judas. Bébé, ok. On trace. On a perdu un petit peu de temps avec cette prise de judo qui m'a valu 2-3 Oscars, ceci dit. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un... Ouh, waouh. Waouh. J'ai un Uzi à aller chercher. Désolé. Oh, waouh. Oh non, c'est trop pas. Oh, vous m'avez dit, t'as loupé 2 Uzi. Et là, c'est une alter, les frères. Il n'y a jamais 2 Uzi. Il n'y en a même pas un. J'ai l'impression que vous allez me... Pas de Uzi, hein. Bougez pas. Pas de Uzi, hein. Vous m'avez bzeille. Ah, Snoop Dogg. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On est reparti. Bébé. Direction. Wouhou. Je vais si vite. Oh non. J'ai loupé la sortie. Excusez-moi. Je ne fais que passer. Hop. Excusez-moi. Ah, ça, c'est si bien. C'est vraiment la meilleure des... Aïe. C'est vraiment la meilleure des boissons.
Ok, on est bon. On va se refaire deux boissons. Ouais, non, c'est la meilleure des boissons, hein. Je suis désolé, hein, y a pas de secret. Hop. Wouhou! Ça y est, il fait jour, ça commence à s'allumer. Allez! Il a vu sa vie défiler. Ok. On va se les faire ou pas? Les jeunes malandrus. Essayer de se les faire, hein. C'est pas grave. Eh, on n'a jamais utilisé le four. En vrai, arts martiaux, je m'en bats un peu les cacahuètes. Hein. Je m'en bats les glaouis, comme on dit dans le milieu. Bon, on va voir un peu la puissance de ce psychopathe. Et s'il est trop chaud pour nous, ça dégage. Rien à péter, il y a un peu de pinard au sol. Je préférerais m'alcooliser avec un peu de pinard. Allez, let's go! On va voir un peu ce qui nous attend. Fouh! Il paraît d'ailleurs qu'il y a un katana par ici, me semble-t-il. D'accord. Bon, c'est en bas. Il paraît qu'il y a un katana. Ah, on est au plaza, là. Hein. Ici, vers ici. Il paraît. Et peut-être... Et peut-être une armure. Ok, ça c'est pas mal. Et peut-être une armurerie. On va voir. J'essaye de voir des petits pépés qui glissent par-ci par-là. Est-ce qu'on a une armurerie? Ou alors l'armurerie est opticien, très bien. Vêtements hommes, vêtements femmes, chaussures, sport, ok. Est-ce qu'on a une armurerie? Cosmétiques, accessoires, chaussures. Il n'y a pas d'armurerie. On a la boutique de fringues, ceci dit. L'armurerie est là-bas. Ok. Effectivement, je devrais peut-être aller faire un tour. Pareil, déjà qu'il y a un psychopathe par ici. Pitié, qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous le faites tout le temps. Vous moquez de moi entre vous. Qui est là? Recule. Approche, je te jure que je fous le feu. Et toi aussi, t'es venu là pour te foutre de moi. Parfait. Ok. Wouhou! Faites quand il a un truc dans les mains. Il est pas dur. Oh waouh. Il est pas dur juste quand il veut. Voilà. Quand il menace de le tirer. Ok. En fait, quand il menace de le tirer. Oh le bâtard. Ok, en fait c'est juste quand il menace de... Ok, ça va, c'est ok. Quoi, Jim est mort? Mais c'est qui? Voilà, petit cadeau. Voilà. Voilà. Ok, allez. Lucas. Ça fait mal. Ok.
il se fait pas mal là. Oh non. Ok. Ça va, il était facile. Ne te t'approche pas. Non, 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 pas un pas de plus. Bah voilà. Mais je suis censé faire quoi? Je suis censé faire quoi? Attendez, plus. Je sais pas ce que je suis censé faire. Qu'est-ce que je suis censé faire? Pistolet à eau. Bon allez, va te faire enculer. C'est bon frère, je fais des efforts, t'en fais pas, c'est bon. À cause de toi, j'ai perdu mon araignée, ça dégage. Allez, on t'aimait bien. Quand c'est trop bien. Piquant. Allez, hop, cascade. Bonsoir. Tout va bien maintenant, vous avez plus à avoir peur. Ouais, 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 tout va bien. Je peux vous accompagner vers un endroit plus sûr. Ça marche. Ok. Je suis pas sûr, hein. Laissez-moi faire. Oh, il y avait un extincteur ici. Ah ouais. Oh, il y avait un extincteur juste ici. C'est pas grave, hein. Il y en a foutu partout. Hein. Parfait. En vrai, est-ce que je leur dis d'attendre... Par là ! Voilà, je leur dis d'attendre ici et je me barre. Vous en pensez quoi ? Juste... je vais très rapidement... très rapidement à l'armure. Oh, waouh, c'est si loin. Non, on va autant leur dire de... c'est pas grave, en vrai j'ai utilisé que mon pistolet, c'est ok. Allez! Allez, venez. J'ai utilisé que mon pistolet, ça va. Ah, c'est si loin, ça m'embête. Enfin, non, c'est pas loin, mais le temps. Oh. Allez, je vais peut-être me faire des boissons de vitesse en vrai et on va essayer de bombarder. On va essayer de bombarder. Mais en tout cas, là on a été très utile et c'est très très bon, ça me plaît énormément. Allez, venez. Là, faut tracer les cocottes. Ah, elle est si lente. Elle est si lente, je vais lui prendre la main. Comment ça se fait que mamie elle court plus vite que toi, Mandy? Putain, c'est pas possible. Fais un effort, va à la salle, Zbi. Il y a un type dans le magasin de cosmétiques à Wonderland Plaza. Il n'a pas l'air en forme. Judo! Ah, merde. Allez, viens, 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 je t'en conjure. Allez, mamie. Wouhou, regardez comment elle court vite. Ok. Allez, on trace. Là, ça va, c'est pas trop difficile. C'est tout droit. Un homme malade. Il est où, cet homme malade? Oh, il est à côté. Vous êtes chiant, vous êtes chiant. Eh ben, on le fera plus tard. C'est pas grave. De toute façon, il peut bien canner. Là, déjà, deux personnes, c'est pas si dégueu. En plus, mamie, elle sait utiliser des véritables guns. Donc, elle nous régale. Tout droit. Peur de me perdre à chaque fois. C'est dommage, par contre, que à chaque fois qu'on spawn dans cette zone, ils mettent pas la voiture dans le coin, dans l'endroit qui nous arrange, en fait. L'autre jour, je sirotais tranquillement une boisson jaune quand tout à coup, une énorme guêpe est apparue. Ok. Donc, elle veut, je suppose, une boisson jaune. Mais après, ça, c'est pas une boisson jaune.
Une boisson jaune, c'est quoi, un jus d'orange? Je sais pas. Je sais pas. Allez, mamie. Allez, allez. Bon, mamie, elle met un peu de temps quand même. Elle nous régale, hein. Elle nous régale, attention, hein. Parce que Mindy, bon, je sens que c'est ma future femme, mais elle est un peu plus lente. Allez, mamie, tu peux le faire. Je crois très fort en toi, je t'ai donné un véritable guns. Dites-moi quelle est la mamie. Ok, ok. Allez, on passe par ici. Ça va faire un peu... Wouhou ! Hé, Franck, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Non ? Tu vois quoi, Michette ? Tu dis des phrases aléatoires ou j'ai vraiment quelque chose à voir ? C'est vrai, elle est là, regardez. Regardez, la mamie, elle est là, elle régale. Elle suit bien, hein ? Let's go ! Elle suit super bien, hein ! Je suis très fier d'elle. Oh, waouh ! Prête à tirer. Faire ça. Ta gueule, fermez vos gueules, voyez bien que je suis concentré. Terrible, hein. Non. Ok. Malade ou quoi, toi? Compris. Allez. On se barre. Bon. Écoutez, on s'en sort plutôt pas trop mal. Vous êtes là? Allez, venez. Par contre, je me suis fait, mais esquinter la gueule. Allez. Deux personnes en plus, peut-être un niveau d'un coup, ça serait incroyable. Quelle journée. Merci beaucoup pour votre aide. À qui le dis-tu? Ah là, niveau sub, ça me plaît ça. Oh, un point de vie en plus, je crois. Ben oui. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le temps? Deux autres boissons ou pas? En vrai, j'ai un sniper un peu chargé. Un mini Uzi. Vas-y. J'y crois autant. Ah ok, j'y crois, je pense qu'on a le temps, vraiment. Excusez-moi. Dégage. Excusez-moi. Ok. Putain, il sert à rien l'extincteur, ça me fait mal au cœur. On va rechoper des guns là. Je sais où ils sont. On va rechoper des guns. Tiens, déjà, on va recharger notre appareil photo. Maintenant, je prends toujours ce réflexe. Être sûr de ne pas tomber en panne de battery. On va se refaire deux petites boissons. J'avoue qu'on va traverser le jardin en speed. Et on est bon pour la suite, le prochain dossier. À savoir qu'il y a un homme malade pas loin. J'avoue, j'aurais sûrement eu le temps de faire les deux. Mais vas-y, j'ai plus envie de me trimballer 3, 4 otages. C'est infernal. J'ai pas envie de me transporter, de me transporter 50 otages, c'est terrible. On peut voir, il a besoin d'aide en vrai. Attendez, vous savez quoi? On y va en speed. Parce qu'en vrai, il est à côté des boissons. Il y a peut-être moyen qu'ils me disent, gros, apporte-moi une boisson, tu me régales. Et là, je vais dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
C'est un épisode tranquille, hein. Y a pas de dossier, donc on va souffler un peu, 11e épisode. Mine de rien, on est jour 3 dans une heure, à midi exactement. Donc le dernier jour à survivre ici. Considérez qu'on a fait, entre guillemets, 2/3 du jeu. Donc c'est plutôt pas si dégueu. Ah bah oui, mais j'ai plus le salto arrière. Ok. Ok, on est bon. Ça. Ça, là. Ça, ici. Ensuite, ça. J'ai peur d'arriver en retard. Hein. Je vous jure que j'ai peur d'arriver en retard. On va y aller juste en marchant. Hein. Je préfère qu'il y ait un mort que arriver en retard. Un rendez-vous, c'est important. Hein. Hop. Ça c'est tactique et c'est beau. Ouais, vas-y. Écoutez, peut-être que certains vont m'en vouloir derrière leur écran, mais hey, c'est mon aventure, c'est mon let's play et vous le partagez avec moi, d'accord? Donc si je fais une bêtise, vous faites une bêtise. Et, de toute façon, il est malade. Peut-être pas pour bien longtemps, on sait pas. Ouais, parce que j'avoue, le temps de rentrer, ça se trouve, ça va devenir un psychopathe, on sait pas. Vous savez, les gens clean, des fois, deviennent des psychopathes. Putain, j'aurais pu sauver le mec qui brûle, quand même. Mais ça serait triché, hein, de recharger la partie, les gars, hein, et de faire comme si de rien n'était. Et moi, vous savez que j'aime faire les jeux en toute honnêteté et authenticité, donc une erreur doit être assumée, et elle va être assumée, hein. C'est pas grave, tant pis, hein. Qu'à cela ne tienne, comme on dit, hein. On va pas truquer les résultats. Hé ! Rien de mieux que des résultats réels. Ouais, le temps de retourner à la salle, en plus, il y a l'ascenseur maudit à refaire un milliard de fois. Terrible, cet ascenseur. Vraiment, je comprendrai jamais. Ah... Attends, je vais me débarrasser de quoi? Non, il y a un truc qui est apparu là encore, c'est quoi? Quand on entend un tududut, c'est une sorte de rappel ou un truc comme ça. Toujours un petit peu fou. J'aime bien parce que toujours les mêmes flics qui traînent aux mêmes endroits et tout. Alors ça fait un peu réaliste, sauf quand normalement tu t'en débarrasses, ils devraient pas repopper, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien, putain, j'aimerais bien qu'ils fassent un remake comme ils ont fait là, mais avec un apport sur le réalisme. Genre, on arrive dans le centre commercial, il y a X zombies. Si tu le tues, il ne repop jamais. Là, vous allez me dire, mais ça baisse l'intérêt du jeu, parce que si tu clean une zone, il repop pas. Oui, mais vu qu'on a que 3 jours, tu vas pas passer non plus toute ta vie à cleaner parfaitement une zone. Mais avec la technologie actuelle, je pense qu'on peut largement le faire. Et très honnêtement, moi, je trouve ça cool. Voilà. Une main coupée, bon, on s'en fout. Eh, si on met une main coupée dans un mixeur, avec un petit orange juice, ça donne quoi? Je serais très curieux. Allez, on va suivre la cinématique, les amis. Et c'est parti! On va voir ce qui nous attend. Ça devient de plus en plus chaud, hein. À noter que, quand même. Hein. Les blessures sont pas graves. Mais impossible de dire si elle a été mordue ou pas. On va devoir garder un œil sur elle. Jessie est nouvelle. J'aurais jamais dû l'embarquer dans une histoire pareille. J'en assume l'entière responsabilité. Ok. Là, c'est là où il était enfermé. Est-ce qu'il a pas laissé un petit truc? On sait jamais, non? Ok. Bon. Ah, les deux femmes que j'ai ramenées. Cette pièce, elle est bien chargée. Ils vont m'idolâtrer quand je rentre? Voilà. Merci. Eh, c'est normal. Merci. Bouffez-moi le cul, bouffez-moi le cul. Eh, oubliez pas le like et le commentaire, hein, les gars. Hein. Oh, je vous ai pas sauvé la mise pour rien. Hein. Ah, quelqu'un qui a me bouffé le cul là-dedans. Yo, yo, c'est moi, c'est la star. Ouais, c'est Mister B-Boy. Ouais, t'oublies pas le pouce, hein. On n'oublie pas, les amis. Hein. Fait plaisir. Ok, allez, une petite save. Fouh,
Bon, c'est pas si dégueu. On va avancer le temps. Hein. Je sais bien qu'on est pas à ça après, mais enfin, quand même. Ben voilà. Vous en pensez quoi? Impeccable. Impeccable bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par dernier recours, au juste? Carlito a dit qu'il ferait sauter cet endroit s'il était acculé. Génial! On a un kamikaze sur les bras, si je comprends bien. C'est encore pire que ça. L'explosion enverra des larves de ces parasites dans l'atmosphère. Il veut répandre l'infection au-delà de la ville? Il est complètement cinglé? Si cette bombe explose, il n'y aura plus rien à faire. Les zombies seront partout dans le pays. Il veut répandre un gaz inflammable dans les sous-sols du centre commercial et tout faire péter. Si vous vous occupez des bombes tant que la concentration de gaz est faible... Alors on a encore une chance d'empêcher l'explosion. Venez, on y va.